À un mois de l'anniversaire de la naissance du Christ, les premiers marchés de Noël arrivent peu à peu en France. Samedi 30 novembre et dimanche 1er décembre avait lieu le 22e marché de Noël de Moneto, où 73 chalets ont accueilli artisans d'art, créateurs de cadeaux et de décorations de table, producteurs locaux de produits de fête. C'est un marché très sympa, il y a plein de petits stands avec plein de producteurs, que ça soit au niveau culinaire, des artisans. C'est très bien fait. Ouais. Le vin chaud, c'est délicieux. Je suis du coin, donc je suis assez régulière, enfin je vais tous les ans. Sauf que bah là, je commence seulement le marché, mais bon, ça, c'est bien parti en tout cas. On a vu déjà le Père Noël. Donc bon, on va continuer à faire le tour du marché pour voir ce qu'il y a comme autre stand. En ce week-end placé sous le signe de la magie des fêtes, beaucoup se sont déplacés pour rencontrer le Père Noël dans sa maison, mais également les lutins qui sont passés en traîneau sous la neige. Je me suis amusée en dessous de la neige. Comme tous les ans, j'accueille tout le monde, surtout les enfants qui viennent tout de suite vers le Père Noël pour le chérir et même lui faire des bisous. Mais on est très très contents parce qu'ils viennent, ils ont le sourire et nous on est très contents d'accueillir aussi bien les familles que les enfants sur ce marché de Noël. L'église a également accueilli une exposition florale où les pèlerins ont pu profiter des décorations exposées. Enfin, que serait un marché de Noël sans sa crèche vivante plus vraie que nature ? Marie, Joseph et leur nouveau-né, mais également berger et roi mage, étaient ainsi présents le samedi en début de soirée. Ils sont arrivés avant le feu d'artifice qui a enchanté les visiteurs présents et qui a clôturé la journée du samedi 30 novembre. Le dimanche, le premier marché de Noël de la période a pris fin avec une chorale et une parade illuminée. Eh ben, je suis très content que les enfants attendent ma venue puisque je leur promets déjà pendant ces deux jours qu'ils soient déjà sages, obéissants et que le Père Noël ne les oubliera pas le jour J, le jour magique, ce jour de Noël.